Une baguette de pain brandie, comme une référence à la révolution de 2011 et au capitaine Robza, le capitaine pain. Les mêmes emblèmes et les mêmes slogans, ces Tunisiens demandent à leur gouvernement de dégager. Je suis venu aujourd'hui pour manifester contre le chômage et la négligence de l'État vis-à-vis des jeunes. Je n'ai aucune idée d'où va notre pays. Qu'est-ce qu'il fait au juste notre gouvernement? On a faim. Des fonctionnaires en grève dans plusieurs villes du pays. Ils réclament une augmentation pour compenser l'inflation. Le dinar perd de sa valeur et la plupart accusent les institutions financières internationales d'une trop grande ingérence dans l'économie tunisienne. Nous sommes réunis pour libérer la politique tunisienne qui est dépendante des réglementations étrangères de la part de ses banques mondiales et ambassades. Elles sont en train de nous contrôler, nous voler et nous manipuler. Cette mobilisation est la plus importante depuis le lancement en 2013 du dialogue national. Les transports ont fonctionné ce jeudi, mais les ministères, écoles, hôpitaux et autres administrations ont été paralysés. Aujourd'hui, on voit que le gouvernement est en train d'entrer dans une phase accélérée de l'application des décisions de l'FMI. Et ceci, bien entendu, a en quelque sorte engendré très vite des situations sociales très fâcheuses dans le pays. Les syndicats attendent désormais une réponse du gouvernement et menacent déjà d'une grève générale qui ne se limiterait pas à la fonction publique.